Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou pour nous porter pour une dernière sortie journal 7h sur télévision nationale d'Haïti. Mais quelques points pour développer dans le journal ça. Première dame République la Martine Moïse fait environ dans pèlerin 5 côté le rencontrer habitants zone là et puis confirmer engagement famille présidentielle là pour établir bon rapport à Kyo. Responsable autorité nationale régularisation secteur énergie à Anarsé mettait bouté vendredi 27 juillet à un atelier formation organisé sous établissement tarif électricité dans pays. Tribunal criminel traité plusieurs dossiers ordonné 6 condamnations pour vol, viol et association malfaite et puis fait 4 libérations. C'est bilan assise criminelle sans assistance juridique, soit lundi 23 pour arriver jeudi 26 juillet dans palais justice et Port-au-Prince. L'autre point n'a bien pour développer, même état généraux sectoriel nation en chita palais jeudi avec responsable organisation espace biotech Haïti sous importance médecine traditionnelle dans secteur santé. 27 juillet 2018 fait 70 l'année existence pour orchestre tropicana pour orchestre septentrional pour marquer date ça yon mes action grâce et chanté vendredi 27 juillet dans chapelle Saint-Joseph au Cap-Haïtien en présence des musiciens orchestre là zami famille ak fanatique et puis dans moment délai la justice américaine te fixé sous question séparation parents yo ak timoun qui rivé illégalement aux États Unis, plusieurs timoun ak parents yo te réuni nan Washington pour mande président Donald Trump kembe promes li. N'ap toune apre pose la développement tit sa yo et puis en pile l'autre information. L'autre fois n'ap salue tout moun et n'ap démarre journal la prévisionniste nou Wilner Polidor qui pral pote pour nos conditions temps. Nous vendredi 27 juillet 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là pour aujourd'hui. Nous sommes en début de week-end. Bon week-end à chacun de vous. On a les conditions météorologiques là pour jeudi, vendredi, pour demain samedi et dimanche. Nous gagnons un tropical qui trouve le sous-partie orientale Cuba. On ça commence à éloigner considérablement du pays d'Haïti. Mais nous gagnons au nord du pays d'Haïti un creux qui provoquait une zone instable générale sous image satellite ça. Mais creux ça gagne pour dissiper et pour faire place avec zone de haute pression qui toujours a influencé conditions météorologiques là. Et c'est pour ça jodi an a bien autant qui venteux sous pays d'Haïti et Jean Noël sous quatre ça avec bel soleil mais en soirée gagne possibilité pour gagner quelques averses isolées qui capable modérer sous plusieurs départements région nord a concerné par activité la pluie ça yo Artibonite aussi et le centre a concerné par quelques gouttes la pluie ça yo mais pour région sud là avec département de l'Ouest, c'est quelques averses isolées. Mais j'en ai dit là pour aujourd'hui, c'est un temps cap plus ou moins humide sous pays d'Haïti. Et j'en ai dit là, brise de mer là mélangée avec réchauffement journée, capable de provoquer quelques averses sous département de notre cité là. Mais pour demain, il y a un tropical qui prévoit pour traverser pays d'Haïti et on sa les porteurs d'averses et c'est pour ça n'a gagné quelques averses la pluie sous majorité département au Jean Ouest sous cadre de précipitation ça n'a gagné département nord yo cap gagné la pluie avec Artibonite le centre département de l'Ouest et même région sud là a concerné par activité la pluie ça yo en soirée ou au cours de nuit là cela veut dire que n'a gagné fréquence la pluie cap augmenter sous département ça pour demain samedi par rapport avec passage en tropical ça que nous prévoit dans la nuit du samedi au dimanche. Alors attendre la température c'est des températures qui a à la hausse sous tout pays au cours de jeudi à Jean Noël jusqu'à 35-34 degrés sous quelques départements et demain aussi température a toujours à la hausse, elle a fait très chaud et Jean Noël c'est toujours sous centre avec l'ouest qui gagne pire température. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui gagne bel soleil avec vent cap vanté au cours de journée jeudi a n'a gagné quelques averses la pluie en soirée mais c'est des averses isolées sous
tête monio et si tout sous quartier qui trouvé au sud de Port-au-Prince et même à la rigueur mon nation n'a bien quelques averses à puis pour jodia disons Astroya et au cours de nuit là mais demain n'a bien la pluie ça cap augmenter sous capital en soirée et au cours de nuit mais dimanche c'est quelques averses isolées sous capital Port-au-Prince et température a monté jeudi à sous capital jusqu'à 35 degrés et puis par la descente c'est 24 degrés au cours de nuit là et n'a senti effet de chaleur sous capital pays d'Haïti. La mer non seulement li agité sous côte nord et côte sud mais côte sud pays d'Haïti l'a agité à fond et c'est pour ça que les capitaines ont précaution pour pas rentrer dans fond la mer parce que par rapport avec la visibilité a réduit sous côte sud pays d'Haïti et pour page astronomique là jeudi à soir elle a couché à 7h26 minutes et l'a levé le matin à 6h25 minutes. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous n'a croisé lundi pour une autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner Polidor et bon week-end. Première dame République là, Martine Moïse fait un viréron vendredi 27 juillet dans Pèlerin 5. Objectif fait visite là, c'était rencontrer habitants yo et puis confirmer engagement famille présidentielle là pour établir bon rapport à chaque citoyen dans zone là. Première dame l'ont profité rencontrer plusieurs habitants qui ont été démolis sous l'ordre la justice dans finissement mois juin. N'a proposé un reportage à Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. C'est en visite courtoisie côté première dame républicaine Martine Moïse fait moun pèlerin 5 connaît famille présidentielle la pape Lagueyo nan moment socio-économique difficile y a fait face depuis environ 4 semaines. Moun yo te gen problème en roi en 2012 j'ai écrasé kayo déjà. La fois passée yo écrasé kayo encore. Mais la fois passée opposition prend Baral Alfonso Leavel dit que c'est le président Jovenel qui va écraser car malheureux parce que le président Jovenel parlait ouais malheureux bon côté. Mais qui côté nous sortit sans deux nous sortit. Moi me sortit en douro dans zone Chansol, président Jovenel sortit trou du nord. Donc qui sont ça lié pour mon abdi qu'on parlait ouais malheureux côté. Mais c'est dans classe là que nous sortit. Dans classe pauvre là que nous sortit. Mais je dis à qui monde qui mettait nous mettait président Jovenel président tout, c'est eux même qui t'ai voté qui fait je dis à ma première dame. Mais si au grand problème faut me travailler pour eux. C'est ça que fait je dis à me créer un temps. On dit que bah la fin passée mais fort mal ouais même si on parle encore mais au moins ma ouais mon yo qui là m'a parlé avec ma baille au réconfort parce que quand yo crasé yo dit que petit bébé t'es un petit bébé qui t'es 22 jours qui était là qui était l'autre qui était 18 mois qui petit monde petit donc monde ça yo faut bon monde qui pensait pour yo monde ça faut bon monde qui dit un mot pour yo parce que ce sont des sans voix et qui monde qui pour dire moi pour yo c'est moi pour dire puisque c'est femme barre moi c'est en femme qui raconte douleur en l'autre. Je dis on parle avec moun sa mde wayo moun sa mwayo a parle pas avec l'autre pour nous voir comment nous cacher ta problème dans résoudre parce que créole là du tout voisinage c'est famille si mon problème la premier monde qui vous porter me secours bien que m'ai sécurité mais c'est eux même parce que si mon bagage on du fond bagage mais c'est eux qui viennent qui aider parce que c'est eux même qui là beaucoup côté si un problème tout c'est moi qui là pour aider donc je dis mal wayo moi paré pour m'aider donc eux même tout yo ka compter sur moi parce que moi même moi compter sur yo et ça fait me dire me compter sur yo parce que c'est eux même qui t'ai voté président qui fait président qui arrive là jeudi donc on voulait que tout le monde connaît que pèlerin pas grand problème qui vraiment on t'a dit que sérieux c'est opposition qui prend qui mettre du feu derrière elle qui chauffe un bagage qui pas exister c'est frère action nouyé c'est dans l'union de business ça le dit l'union fait la force c'est dans l'union seulement nous ca sortir dans problème nouyé mais l'école pour l'ouvrir si monde qui pas pour l'école en l'air là mais faut m'aider yo puisque maman yo pas capable. Faut me prévoir faut me tabayo soulier, faut me prévoir me tabayo kit scolaire, faut me prévoir de bagaille pour yo. Donc même si que pas gain gouvernement parce que pour qu'on premier ministre, mais si gon ti bagaille que me ka fait nan aide que m'a joine moun ka aide m'a pote pour yo. Dans diverses rues en dans les habitants ont recevoir première dame Martine Moïse à Campil Chaleur. Youn nan victime ka écrasé yo qui te chita parler avec première dame nan, di li espérer première dame nan pral agi vite bon côté président république lan Jovenel Moïse pour accompagnement la présidence lan rive joine yo pressé. Et ça me tant aimé mais faut on bagaille pressé parce que c'est dans la rue nouyé. Nous pas habitué rete caille moun. Tu parles au faire première dame nan ki ça le dit. Li dit me comme ça et maman nous lié, l'a chercher faire toute bagaille mais nous tant aimé faire pour faire ça kounya parce que nous pas ka rete dans la rue encore. N'a rappelé, c'est pas première fois la justice avec la police a fait opération de guérissement dans Pèlerin 5. Dans l'année 2012, la justice a fait une opération de guérissement
côté moun pèlerin 5 qui construit dans zone ravine nan ta yote krasé même gens. Tribunal et criminel traité plusieurs dossiers, li ordonné 6 condamnations pour vol, viol, ak association malfectée et puis fait 4 libérations. Ce bilan dans cadre assises criminelles sans assistant jury sorti lundi 23 pour arriver jeudi 26 juillet dans palais justice Port-au-Prince. Yon reportage et Sainte-Croix Paki ak Moïse Wilbridge. 6 condamnations qui gagnent pour infraction, tant que vol à main armée, viol avec association malfectée, 4 libérations, c'est quantité de dossiers tribunal là traité dans le cas d'assises criminelles sans assistant juridique qui démarrait lundi 23 juillet dans la juridiction Port-au-Prince. Pour première semaine assises criminelles sans assistant juridique, tribunal là a disposé 5 chambres civiles. Dans le cas de l'effort qu'a fait pour diminuer la détention préventive prolongée, lundi 30 juillet, cap vini la, tribunal première instance Port-au-Prince a démarré assises criminelles avec jury. N'a pas rappelé assises criminelles yo à bout vendredi 10 août cap vini la dans juridiction Port-au-Prince là. N'a pas poursuivre avec responsable autorité nationale régularisation secteur énergie à Narcé qui mettait bout vendredi 27 juillet à atelier formation yo tap organisé sous établissement tarif électricité dans pays a. Activité ça était occasion pour représentants divers secteurs qui impliqués dans affaires énergie dans pays d'Haïti brasser l'idée sous problème électricité à façon pour calculer tarif yo. Compte rendu Rachel Saint-Fort, Moïse Wilbridge. Tabli yon tarif k ap encourager investissement dans pays a pour faciliter entreprise vin créer job, permettre consommateur jwenn service qualité pour payer selon sa ou consommer. C'est parmi objectif atelier formation ça, responsable autorité nationale régulation secteur énergie a annoncé réaliser sous établissement tarif électricité dans pays a. Activité ça té occasion pour participants yo garder ensemble calcul raison ak utilité tarif ki fixé yo selon directeur exécutif Institut Haïtien Énergie a. Tarif d'électricité yo c'est pas simplement un chiffre que lié, c'est un outil qui pour permettre que on compagnie qui a formé et qui a fourni un service tant que EDH ou bien tant qu'une compagnie privée qui a fourni un service que prix fixé pour service là que li suffisamment acceptable pour que utilisateur là consommateur li pas payer trop cher mais que li paye ça le besoin payer pour que li joigne service là et que d'autre côté que compagnie li même tout li pas mander trop cher mais li obtenu suffisamment pour que li paye ni investissement ni fonctionnement que quelqu'un pour le payer l'état haïtien qui lui même faut le bénéficier tout. Yon nan participant yo Rosny Grand qui se conseillé dans direction générale électricité d'Haïti expliqué atelier ça bay participant yo outil capede yo entendre yo sur série point pour définir tarif là. Rosny Grand promet pour partager échange d'affaires yo dans cadre activité ça avec l'autre responsable dans EDH. Depuis décret 3 février 2016 là, marché a l'ouvrir à la concurrence EDH pour le moment en attendant que gagnons l'autre législation, il n'est pas en situation de monopole encore. Donc nous-mêmes dans entreprise là, nous venons participer dans un séminaire ça qu'a organisé là pour nous garder tout bien fondé qui gagne pour tout le monde mettre au sous même longueur d'onde pour que au niveau de l'entreprise là n'a le travail pour que nous restructurer tête nous pour nous protéger les emplois pour nous faire entreprise là une entreprise rentable mais pour que consommateur yo tout yo payer le prix qu'il faut pour que yo gagne un service là. Atelier formation ça sous établissement tarif électricité dans pays a c'est deuxième série formation responsable yo a réalisé. Yo expliqué ou déjà organisé une série sous façon pour une compagnie qui voulait travailler dans le secteur jeune naissance et bien au mois septembre nan y a organisé un autre atelier sous montage institutionnel. Responsable état généraux sectoriel nation chita parlé vendredi 27 juillet avec membre organisation espace biotech Haïti. Rencontre ça a déroulé sous importance médecine traditionnelle dans secteur santé a d'après secrétaire exécutif secrétariat technique EGNS là Louis Nopierre. N'a pas vite suivre un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Fresnel Toussaint. Ça c'est que
nous devons aboutir à un document de diagnostic par secteur et un pacte. Donc, biotech, il y a gain accès à nous-mêmes à suite à un reportage que les médias ont diffusé et de une rencontre que nous avons fait avec la Commission nationale pour la réforme du système de santé et des services hospitaliers. Et il y a remarqué que un aspect dans le système de santé, notamment au niveau médicaments, et qui partent pris en compte, notamment la valorisation de la médecine traditionnelle, des plantes, etc. Et c'est, je te dis que, compte tenu de potentialité biotechnologie dans le domaine de ça, et même j'ai travaillé sur ça depuis 2012, donc, il y a nécessité pour un dialogue avec la commission pour pouvoir intégrer tout élément de ça. Donc, c'était ça l'objectif matin, pour, déjà pour nous écouter. Ensuite, la mettre en relation à travers les deux, pour capable de dialoguer entre eux avec ça, qui synergie qu'après entre deux dynamiques. Sur le même dossier, ça, l'équipe État Généraux Sectoriel et Nation 1, président Biotechnique Haïti, Dr. Zachary Antoine, souhaitait autorité concernée intégrer biotechnologie. Plus loin, Dr. Antoine souhaitait ministère éducation nationale la formation professionnelle rentrer coup sous biotechnologie dans le programme li, yon façon pour former jeunes yo sous importance médecine traditionnelle là. La biotechnologie, ça dit c'est toute matière qui aux alentours nous yo, nous reprend yo, nous travaille avec yo. Dans le laboratoire, et puis nous venons créer des produits, c'est-à-dire la production, les produits pharmaceutiques humains, ok? Qui ça veut dire? Ça veut dire qu'ils existaient déjà, mais la biotechnologie, qui ça le fait? Ils viennent avec d'autres systèmes pour neutraliser, retirer, détoxiquer les produits pharmaceutiques qui ont des problèmes secondaires. Donc, en fait, la biotechnologie, c'est une pureté, on peut l'appeler comme ça. La biotechnologie, nous sommes capables d'utiliser tous nos ressources, tous nos produits autochtones en Haïti, bien sûr, nous allons gagner un espace de recherche pour nous travailler avec ça, yo, et en même temps, à joindre tout secteur, c'est-à-dire toute région, commune, rurale, etc. Ça va à l'école, parce que nous avons aussi des médecins feuillants qui comptent feuillants, mais nous allons chercher, permettre que nous gagnions plus de formation. Au niveau de l'université, ça veut dire, même docteur feuillants, mais nous avons certaines connaissances. Il faut un panel. En éducation, parce que dans un pays étranger, depuis un certain temps, si vous êtes élémentaire, vous apprenez que c'est qu'une cellule, ADN, ARN, etc. C'est vrai, nous étudions dans le livre, mais ça nous demande, il faut que nous associions biotechnologie déjà dans l'école élémentaire de base, et ensuite, si vous avez commencé à gagner une formation, jusqu'à ce que nous allons travailler avec grands qui déjà dans l'université, etc. Donc, je pense que c'est un message que je voulais lancer à l'État généraux, hein, pour que vous pensez lier la biotechnologie qui a un espace cursus même de cours à travers l'école yo, pour que vous commencez à apprendre ce qu'il y a. C'est quand même, le pays est là, nous avons tout, nous n'avons pas manqué rien. Dans le cadre d'une séance et d'une assemblée, la Chambre des députés a voté mardi 24 juillet le projet de loi sur l'estatut organisation et fonctionnement Fonds Solidarité Nationale pour l'intégration des personnes handicapées. Votre loi ça permet de renforcer le secrétariat d'État pour l'intégration des handicapés, de permettre aux institutions d'avoir plus d'outils légaux pour aider les gens qui vivent avec un handicap. D'après le président de la Commission Affaires sociales, Famille et Travail, le député Antonio Verriquin, qui a fait lecture rapport de la Commission. Il y a un extrait dans le micro de Saint Kwapaki avec Moïse Wilbridge. Les faiblesses qui existent, s'il vous plaît, ajoutez ENT après existent. Dans les catégories des personnes à mobilité réduite, car très souvent, elles sont stigmatisées et marginalisées. La Commission estime que ce projet de loi a une importance capitale pour ce secteur et le pays. Ainsi, elle recommande à l'Assemblée de lui accorder un vote favorable. Et puis, retirer accent sur A devant une importance.
Union Femmes Handicapées UFMOR et salue décision député yo prend pour voter loi sous protection moun handicapé yo pendant yo mandé président République là pour le rencontrer organisation moun handicapé yo dans cadre des consultations l'a fait avec différents secteurs dans vie nationale là. Coordonnatrice UFMOR là Désir Soinette expliquer organisation qui travaille avec moun handicapé yo a continué plaider pour intégration yo dans société a. Yon extrait. Nous profitons de voir un gros coup de chapeau pour la Chambre députée qui, dans la date 24 juillet, vote loi Fonds Solidarité Nationale pour l'intégration des handicapés. C'est un bon geste. Nous souhaitons, dans le cadre de consultation, tous les représentants, organisations, secteurs organisés des handicapés, dans la décision qu'ils ont pour prendre pour former le prochain gouvernement. L'autre point, yon groupe étudiant finissant licencié avec support la présidence mette campé yon coup mise à niveau qui pote non préfac changement qui commençait 23 juillet cap fini 23 août en faveur timoun qui sont composé dans baccalauréat. Initiative la fête dans l'idée pour partager connaissances avec expérience avec élèves finissant sa yo pendant temps sa yo fait connait ça permet yo bail service au niveau communauté. C'est là pour nous prendre la deuxième pause dans le journal là n'a tourné. Après poursuivre avec plus passé 400 étudiants dans le collège Canada Technique qui recevoir diplôme dans yo jeudi 26 juillet. Cérémonie ça a été occasion pour responsable école technique ça souligner importance métier professionnel yo dans société a. Anne-Marguerite Auguste Hervé Pierre. Technique réseau informatique, électromécanique, mécanique entretien industriel et télécommunication, c'est dans différentes disciplines sa yo, environ 450 étudiants prennent formation pendant deux années. Directeur général Canada Technique, là, frère Gary Pierre, indiqué promotion ça fait 45e promotion professionnelle Canada Technique mette sous marché travail là. Les souligner j'ai fait institution ça fait pour offrir étudiants yo une formation qui gagne un standard international. Les invités gradués yo pour toujours mettre connaissance yo à niveau, une façon pour répondre à obligation qu'a fait chaque jour dans secteur technologique là. C'est dans ce contexte socio-économique bien difficile que Canada a su se démarquer en se positionnant en tant que leader dans la formation professionnelle. Chers récipiendaires, vous venez de recevoir une formation, une solide formation à partir de l'approche par compétences. Je voudrais vous dire ce matin que votre diplôme n'a pas une durée de vie limitée. Car la technologie va à un rythme effréné pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Vous devez continuellement vous former. D'où l'importance de la formation. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé qui parraine 45e promotion 1 qui baptise Tête et la Perle. Salut gradué pour Nonsa qui a annoncé ses bons techniciens et témoins excellence. Li rappeler Nonsa qui te permet Haïti briller dans temps passé yo car refait encore si tout monde d'accord mettait intérêt personnel yo sous côté. Président directeur général Chradla a attiré attention gradué yo sous détermination yo pour arriver plus haut, c'est ça cap gloire yo. Votre présent vous appartient. Votre présent est ce trésor que vous avez gagné. Après deux années de dur labeur et de sacrifices consentis par vos parents ou vos bienfaiteurs, ce trésor, vous pouvez le jeter au trousseau pour le faire fructifier. Vous pouvez emprunter le chemin du départ, fatalisme vers l'outre-mer. Laissez la méfiance instinctive, la suspicion, la peur et même l'esprit de destruction habiter vos cœurs. En passant, on doit le dire, cet esprit de destruction anime certains discours aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais gardons-nous, gardez-vous de fermer vos cœurs aux possibilités multiples qui s'offrent à vous et à tout un chacun. Le présent de votre vie est votre diplôme.
ce diplôme que vous allez recevoir, chers impétrantes, chers impétrants, il n'est pas un rêve, mais une réalité. Il faut se l'approprier. C'est le moment du choix et de l'action. Le moment où il faut se projeter pour bâtir son futur. Le Canada, au cours de ces 2 ans, a développé votre sens critique, votre capacité d'analyse, et vous a transmis le savoir-faire qui vous habilite à intégrer le marché du travail avec assurance. Responsable yo mande gradye yo pou kenbe honnêteté yo et puis briller nan travail yo tout côté yo passé à travers action yo. Cérémonie graduation ça té l'ouvri ak yo mes action de grâce pour te remettre l'école là nouveau gradye yo ak responsable yo bay grand mèt la pour bien faire li sou téya à travers moun kap agi nan non li. Environ 15 élèves qui sortent dans différentes écoles ont fait stage dans la télévision nationale d'Haïti. Yon initiative, directeur général télévision, Gamal Augustin, dans l'idée pour accompagner élèves qui font plus gros moyen, mais tout permettre de faire expérience travail pendant vacances. Yon reportage d'Aline Dorival avec Pems Jean-Baptiste. Initiative ça qui est lancée en 2017 permet plus passer une dizaine d'élèves l'école. Qui sorti dans plusieurs établissements et scolaires, fait stage pendant toutes vacances là dans Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Directeur général RTNH là, Gamal Augustin, expliquait à travers l'initiative ça, Média l'État, service public là, visait accompagner jeunes yo, pendant le rappeler, éducation c'est base d'une société. 15 élèves qui sorti dans plusieurs institutions dans Port-au-Prince là. Rêve nous c'est pour nous faire dans toute République d'Haïti, mais il y a difficile pour le moment. Mais c'est 15 jeunes âgés entre 16 et 17 ans, et qui dans l'école secondaire, que nous avons orienté pour nous montrer au monde audiovisuel. Et la Télévision Nationale d'Haïti, ensemble avec Radio Nationale d'Haïti, nous accompagnons. Nous avons un programme d'emploi partiel et pour l'été. Chaque après recevoir un petit COB, nous avons besoin d'entrer en détail comme un COB lié. Mais ce n'est pas le COB qui est important. Ce qui est important, c'est préparer l'avenir de l'audiovisuel de la République d'Haïti. Et je pense que si on a une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons là dans la Radio Télévision Nationale d'Haïti depuis l'année entrée, qui s'est formé jeune, un jeune pour demain matin, un jeune pour une jeunesse qui est sous ça, une jeunesse qui est côté le poil. Jeune Sayo qui est papillé dans différentes directions, tant que administration, programmation, technique, information, salier initiative là. C'était très facile parce que l'emploi était très pour toi, était très participant, était très aidé, nous était par la venue, était expliqué nous tout bien. Donc, la vie était faite très facile, donc on a réussi. Voilà, tout le monde est à l'aise. Bon, l'intégration était assez facile. Le pourquoi, j'étais pratiquement habitué avec tout le monde qui était là déjà. Même si tu as gagné certains remaniements, tu as gagné une nouvelle personne qui est venue employer dans l'institution. L'intégration était assez facile, les gens étaient conviviales et tout le monde était mettait en dynamique pour accompagner. Donc, il faut dire que je suis obtenu une nouvelle ça à cœur ouvert. Parce que c'est ça que je devais faire pour vacances. Je n'ai pas gagné d'autres options. Et puis, je passe le concours avec brio et puis, on rirait mon matin. Et puis, je suis très content de venir. Je connais pas ta poucom, je suis bien le stage avec moi. Et je suis très satisfait jusqu'à présent. Quelques autres parmi eux racontaient comment le stage ça pral aider. Pendant que vous avez encouragé les jeunes qui sont dans l'âge de travailler pour venir un modèle dans la société. J'ai toujours voulu une expérience dans le travail, donc ça a représenté une bonne opportunité pour moi. Et puis en même temps, je vais apprendre comment fonctionne la télévision. Je vais apprendre comment pour faire différentes lettres, factures, tout le bagage. Je pense que j'ai aidé parce que je vais appeler une fois pour faire ce genre de bagage que je vais apprendre à faire. Bon, pour moi, c'est une belle expérience parce que la télévision, comme stagiaire, je vais apprendre un peu de bagage que même je connais tout. Donc, dans le satellite, je vais apprendre que gain décodeur et quand on capte quelques signaux dans technique là tout comme si on apprend à faire soudure bon moi comme si que comme ça ça son sorte de formation m'a jeune et qu'a prêté pour la vie. Je t'ai conseillé pour toujours être l'école meilleur bah là c'est éducation t'es pour éduquer quand même ou gain un respect dans société là. Cela c'est éducation parce que c'est lui qui permet moi là jodi là et c'est une bonne chose pour pays là. Ça fait deuxième l'année, Radio et Télévision Nationale d'Haïti lance un programme emploi à temps partiel pour faciliter élèves classe 3e. Ce qu'on a créé, vivre une expérience différente pendant vacances.
Association Calebasse nan tête collée ak G5 Haïti nan occasion commémorer nan occasion commémoration cérémonie bois caïman lancé yon tournée éducative vendredi 27 juillet pour rive 14 août kap vini la. Yon tournée kap réalisé nan tout pays a nan l'idée pour sensibiliser population sou rôle ak importance culture nan développement société a. Pote lumière sous histoire d'Haïti, c'est sous thème sa secrétaire général Calebasse Haïti a James Francisque. Décidé de lancer une tournée qui a commencé jeudi à même, c'est 27 juillet ici à après ça n'a pas une conférence qui a bout c'est 14 d'août dans cadre cérémonie bois caïman. Donc thème pour tournée a c'est pote lumière sous l'histoire d'Haïti. Donc son nous avons une spécificité même dans thème là qui c'est qui apporte taille nous te porter dans bataille pour l'indépendance. Donc Calebasse Haïti li inscrit en dans tourner ça une façon pour que nous faire population comprendre que avec l'occupation américaine une conséquence c'est permettre que nous oublier ça n'est capable parce que avant l'occupation américaine nous était capable dire qu'il y a deux projets de civilisation qui a affronté en dans pays. Et avec l'occupation américaine, nous avons dit qu'il y a une qui est censé casser par Paris de résistance. Et nous avons un autre projet qui n'est pas projet ancêtre qui est inspiré. Projet cérémonie bois caïman est inspiré. Tout le monde, c'est le monde. Donc c'est un souci pour nous rappeler les gens. C'est qui ça y est, comment pour nous retourner dans ce souci. C'est un objectif ça nous lancer, nous avons tourner. Nous continuons avec le responsable et mouvement appui avec Jovenel Moïse qui encourage le président nommé un citoyen qui a une capacité pour réunir toute couche dans la société. Il y a un monde qui, selon lui, qui a aidé le président à réaliser le projet le gagnant pour le pays. Nous invitons à suivre. Nous demandons au président le choix du premier ministre qui va le faire. Il faut pour le premier ministre qui cache à tout le secteur. Ça veut dire que c'est le premier ministre qui a une oreille du peuple. Et nous dit président, pour toujours chiter avec tout secteur, les gens qu'on a mis sur faire, pour le tendre, pour le cajouter le résultat qu'il a besoin. Maj a tout profité de dire au président Jovenel Moïse, mettez pas talon dans le parce que c'est le peuple qui a été au pouvoir pour 5 ans. Je nous tenons la rue pendant 22 mois, campagne là, pour nous débattre au pouvoir président, nous avons dit, nous avons toujours continué à courir dans tout ça qui est bon, innover et corriger ça qui n'est pas bon. Vision Haïti pour Mondlan via mot annoncé vendredi 27 juillet yon croisade évangélique spirituelle cap réalisé sous kiosque Oxyde Gentil sous Champ de Mars sorti jeudi 2 rivé dimanche 5 d'août cap vini là croisade ça cap déroulé sous thème lumière méchant pral éteindre selon Job 18 verset 5 a réalisé dans l'idée pour accompagner population dans la prière pour une transformation comportement citoyen. Porte-parole via moi, Jano Arisme, et dans le micro, Midray Milias, avec Moïse Wilbridge. Dans le cadre de quelques activités qui sont une croisade spirituelle évangélique qui a établi sous Champ de Mars, sous kiosque là, sorti jeudi 2 d'août pour arriver dimanche 5 d'août en baptême ça, lumière méchante pour l'éteindre qui tiré dans Job 18. Verset 5. Souti 4 dans l'après-midi pour 8 heures, dans la soirée, nous avons tout le monde vidé dans toute une chaîne d'activité pour nous capables de lever le monde. Croisade ça organisé dans l'objectif pour répondre à la responsabilité nous pour nous accompagner la population comme nous avons fait. Le 19 mars dernier, je nous ai dit que pour nous capables de répondre à deux voies d'accompagnement, que nous toujours gagné auprès du peuple haïtien, que ce soit dans un moment qui plus ou moins calme, que ce soit dans un moment difficile, nous te dit, nous te promettons li, et nous répondons à la promesse là, nous faisons toute planification pour que en août, nous convoquions le peuple là. Yeso Ifora, c'est non yon nouveau structure qui l'ouvre porte li pour former professionnels dans affaires gestion environnement et puis l'hôtel. Agronome Jean-Camille Busrette fait qu'on ait une nécessité pour former professionnels dans domaine sa yo qui chaque jour apprend plus place dans société a. L'état répond une question Jean-Serge Gignolendor dans émission mise au point sous télévision. Son formation, un espace qui permet nous offrir plusieurs services.
nous allons faire des services que nous allons sortir ensemble avec eux, puis aller faire un week-end, aller garder ça nous fait, aller essayer de comprendre plus bien la vie en milieu rural, qui sont richesses que liées que nous-mêmes nous pas exploiter. Donc, c'est nous-mêmes nous avons une formation à l'observer pour les gens qui sont dans l'hôtel, qui sont dans le restaurant, et pour les jeunes qui veulent venir comme entrepreneur. Alors, c'est les gens qui font cap démarrer ou bien les gens qui étaient là? Oh, les deux. Des deux. Par exemple, on va parler de WAF, on va faire par routine. On va dire que des techniques pour gagner, nous avons des bouches, nous avons des ouvrages que nous préparons dans ce sens-là. Nous avons des guides pratiques sous bar, comme serveur, pour servir comme professionnel. Et comment maintenant, on peut travailler maintenant en équipe. Parce que le plus souvent, on connaît que la socialisation du travail, son secteur demandé pour le monde. Pas qu'un garçon va camper, il faut qu'il travaille un bon service, il faut sourire, pas qu'il venir frustré, pas qu'il travaille dans le secteur touriste. Donc nous, on a fait des professionnels, des gros touristes, même, on a formé des professionnels. Qui permettent que jeunes gens, lui-même qui vivent dans le milieu, comment ils sont capables de faire un plan de ferme. Sur la formation niveau professionnel, niveau universitaire? Nous-mêmes, nous pensons que nous ne devons pénaliser personne. Il y a un espace pour tout le monde. Parce qu'en principe, l'on est capable de travailler comme serveur, monsieur besoin de prendre formation pour le travailler comme serveur, le bail service, mais pour un service professionnel. Parce que le professionnel, ça veut dire que l'on est son serveur professionnel, il n'a pas besoin de philosophe, il n'a pas besoin de ça. Monsieur, à partir maintenant de 9e année, monsieur, on est capable de prendre formation. Les gars pour information. Parce que le plus gros drame qui est en Haïti, particulièrement, moi, bon, heureusement, ce concours de circonstances, on est passé, c'est longtemps, il est baccalauréat. L'on n'est pas passé baccalauréat, on n'a aucune chance. Je dis, on va bloquer le monde. On va bloquer le monde, on va avoir la chance pour le prendre formation, pour le continuer à aller plus devant. Alors, c'est ça qu'il faudra y aller, faire, permettre que le monde n'est capable de pas gagner barrière pour le bagage, etc. Depuis, on est intelligent, on a une bonne formation, on a bon genre de motivation. Et pour l'apprendre, il n'a pas apprendre et il n'a pas capable former tête lui, venir comme un grand entrepreneur, pourquoi pas? Mais il n'a pas former des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires, c'est un monde qui attend de faire un petit job, de montrer la capacité comment il a créé la propre richesse. Parfait. Et à qui il a démarré? En principe, nos périodes d'inscription ont commencé. Période d'inscription, c'est vraiment, on va très bon marché parce que qu'on est. Touristes sont de prestige, professionnels, d'ailleurs que si vous n'en venez, l'a inscrit, l'a bien droit en maillot, l'a bien badge, l'a passé dans le local là parce que l'a passé dans le local dans Delma 71, oui, Creton numéro 2 pour lui inscrire. Donc, n'a démarré maintenant en septembre, mais toute fin mois juillet, mois d'août là, c'est moi pour inscription pour nous regarder exactement par cohorte d'étudiants à qui groupe que n'a démarré, qui j'en a fait ça. Alors, il y a un espace, c'est un coquet local, un coquet bâtiment. Quand on a offert, on a offert maintenant un service de qualité. Et quoi dispenser dans Delma 71? Quoi dispenser dans Delma 71? Mais il y a des visites maintenant de sortie, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province et en République dominicaine. On est intéressé, bon numéro de contact. Et un numéro de contact, là. Bon page après, Facebook ou bien adresse électronique. Ah, bon, adresse électronique, là, c'est d'agent-camille-bisquet@gmail.com. Normalement, et puis téléphone moi c'est 38 26 45 82. Qui gagne dans faire inscription. 27 juillet 2018 l'a marqué 70 l'année existence orchestre septentrional. Pour marquer date ça, yon mes action grâce et chanté vendredi 27 juillet dans chapelle Saint-Joseph au Cap-Haïtien. En présence musicien orchestre là zami famille avec fanatique célébrant messe là évêque Miragua dans sa voix monseigneur Pierre André Dumas féliciter musicien orchestre septentrional yo pour ça yo accompli dans culture haïtienne quelques fanatiques septent a pu expliquer dans micro TNH de 1948 à 2018 septent gagne un grand passé et il connaît de bons et de mauvais moments. Et de bons moments, je suis capable de prendre comme exemple parce que c'est un premier jazz haïtien qui jouait dans Maison Blanche qui était comme un souvenir pour Septentrional. Septentrional est un modèle parce que c'est un pionnier à travers le Nord qui est arrivé et qui laissait un paquet de parcours. Côté que un peu le jazz capable de suivre trace vraiment. Je souhaitais que le meilleur pour eux. Ensuite, pour 70 ans, ça n'a pas gagné là, que gagne un peu le bagage fait, que qui fait bien. Pour ça que je me travaille de septembre, je dis que c'est continuer le travail et même que nous connaissons que les bagages sont difficiles, c'est vrai, mais pas décourager. Et surtout 70 ans, ça, 70 ans, c'est pas 70 jours. Et la télévision a souhaité un bon 70e à l'orchestre septentrional. Après une autre pause, l'on tourne dans le palais international.
Et bien avant nous parler international, dans journal ça, n'a pas recevoir collègue nous Jean-Robert Raymond qui dans cap haïtien puis précisément dans Feu Vert Night Club côté orchestre septentrional a gagné pour célébrer 70 l'année à Soya en compagnie groupe Kai. Bonsoir Jean Raymond. Bonsoir Ketia Pierre, bonsoir toutes amis téléspectateurs, téléspectatrices et télévision nationale d'Haïti. Nous justement intervenu dans téléjournal là à Square pour nous dire que j'en capable constater nous dans Feu Vert Night Club dans Cap Haïtien. Feu Vert Night Club c'est véritable fief septentrional et tant que nous connaissons déjà septentrional jeudi en là a fêté jour pour jour 70 ans d'existence. 27 juillet 1948, 27 juillet 2018, ça fait exactement 70 ans depuis orchestre lui-même li existait. C'est une pi vieux orchestre en fonction, disons, qui a fonctionné en dans Caraïbes et il y a un pile monde qui dit c'est en dans Afrique là. Donc à ce moment là, en dans Fever Night Club, rendez-vous en cassé avec tout Joe Canel les septembre. Bien sûr, c'est le groupe Kai de Richard Cave qui gagnait opportunité lui-même pour le capable animer grosse soirée ça, soirée 70e là avec septentrional ici là même dans Fever Night Club dans Cap Haïtien. Pour le moment, nous t'ai fait en pile par virer dans ville du Cap Haïtien. C'est vrai que sur les réseaux sociaux en pile monde a parlé de 70 ans septentrional, on dit que 25 et 26 c'était les 63 ans de Compas Direct et jodi en là 70 ans septentrional. Donc en pile monde a parlé de lui, notamment au niveau de la ville du Cap Haïtien, c'est la fille au septembre. En pile côté à travers le pays pour y vivre, notamment plusieurs grandes villes dans le nord réunies ici là et Jean Connel gagne en pile fanatiques, sympathisants, dirigeants, etc. Tout le monde ça yo exactement dans les parages de Feu Vert Night Club pour que justement on capable vienne fêter. C'est sûr que fête là lui-même l'est grandiose. Pour le moment c'est dernière touche qui a poté. Notamment il y a un musicien Caio, nous remarquons Maestro Kaelan, lui-même qui l'a anti-Claude, avec reste musicien qui a fait soundcheck. Et bien sûr, il y a Mounio qui massait devant, qui pas qu'attendre pour que soirée lui-même commence. Donc ça veut dire que son soirée qui annonçait grandiose, extraordinaire, on dit tout que septembre qui sorti yon album dans occasion que l'a gagné pour le présenter à soir. Donc c'est sûr que nous pral gagner plus détails lorsque nous pral en direct absolu que nous permettre les amis téléspectateurs même yo vive soirée ça et bien sûr qui pral commencer dans quelques minutes. C'est sûr que la vienne avec beaucoup plus de détails, nous inviter Mounio yo même pour rester connecté télévision nationale d'Haïti pour la soirée des 70 ans de septentrional ici au Feu Vert Night Club Cap Haïtien. Merci à Jean-Robert Raymond, Diel Seignol. N'a pas rappelé qu'il est en Cap Haïtien, puis précisément dans Feu Vert Night Club. Côté orchestre septentrional avec Kai Abgain pour célébrer à Soya 70 l'année existence orchestre septentrional. Yon spectacle que n'a pas capable de suivre en direct sous télévision nationale d'Haïti. En attendant nous-mêmes, nous prenons l'autre bord de l'eau dans quatre journal là. Dans moment de la justice américaine t'est fixé sous question séparation parents yo ak timoun nan rive nan boutli timoun ki rive illégalement aux États-Unis. Plusieurs timoun ak parents yo té réuni nan Washington jodi a pour mande président Donald Trump kembe promesse li té fait pour timoun migrant yo réuni ak famille yo. N'ap suivre mse yon timoun famille yo dwe réuni. C'est slogan manifestant timoun ak parents qui réuni dans Washington k'ap mande président Donald Trump kembe promesse li. Alors que limite la justice américaine fixée a dépassé depuis jeudi 26 juillet, plus passé 700 timoun qui rentre illégal aux États-Unis ak parents yo toujours séparé ak famille yo. Yon juge fédéral Californie te baye l'ordre pour toute famille qui disait à jeudi a yo considéré tant qu'éligible ka côté lien familial yo bien déterminé côté parent yo pa gen passé criminel ou soit maladie attrapant. Polémique tolérance zéro, président Trump plan rentré en application en avril ak juin passé a politique ça a été entraîné placement en détention plusieurs milliers de migrants qui sorti principalement dans Amérique centrale ak Amérique latine nan. En 2300 ak 3000 timoun te séparé de parents yo et puis placé dans divers centres ministère la santé américain.
Méthode ça a été soulevé indignation aux États-Unis à tel point président Trump était obligé de revoir méthode Lio. Président Trump était interdit décret séparation systématique famille. Sous 2551 familles qui séparées avec plusieurs timoun entre 5 et 17 l'année, 1442 réunis d'après statistiques officielles qui publiées dans document justice. Merci Betty. Raphaël, 80 moun perdu la vie sorti lundi 23 pour arriver vendredi 27 juillet dans 10 faits qui éclatait sous côte Port Rafina Mati dans le pays la Grèce. Betty Raphaël. Côte orientale Athènes boule rapiété. La Grèce sous choc 4 jours après terrible difesa qui ravageait côte Port Rafina côté plus passé 80 moun perdu la vie sans compter plusieurs autres qui disparaissent. Alors que critique yo pas suspendre sous façon autorité grecque yo gérer drame si la gouvernement grec la décidé l'ouvrir une enquête sous cause difesa. Ministre adjoint pour protection citoyenne en pays la Grèce Nikos Toskas déclaré éléments yo montré sous dife attaque criminelle. Opération secouyo après possible pendant médecin légiste yo bon côté pa yo a poursuivre travail la pour identifier cadavre yo. Puis fonan yo ki boule net. Famille victime yo pas autorisé wè koyo suite à drame sa plusieurs victimes souffrent choc post-traumatique, c'est un stress yo moun gen après il fin vivre yon gros événement dans la ville qui gen effet négatif sou li. Grâce à aide satellite, ministre grec a insisté sur 13 défis qui déclaraient dans l'article là en même temps et puis sous violence vent à environ 120 km/h vent était permettre flamme de déplacer rapide ce qui était empêché évacuation ville Mati qui totalement détruit. Argument ça pas calmé colère peuple grec là qui au même te senti lagué pour compte yo pays ça vivre troisième et dernier jour des nationales li a crainte pour bilan yo augmenté. Et puis vendredi 27 juillet 2018 là a gagné une éclipse lunaire totale Afrique centrale, Afrique australe, Afrique est et Moyen-Orient, ces côtés sous terre y a ka vivre pi bien phénomène ça, y a ka wel partiellement au soir total tout en Europe là, Asie et puis en Australie. D'après la NASA, éclipse là a commencé bon 8h24 à soya et l'a fini à 1h19 dans matin. Nord-américain yo ak sud-américain pap kawe phénomène si là. Li fè lè pou nou ale, men kèk pwen de développé dans journal ça. Première dame République Lamartine Moïse fait un viré rond dans Pèlerin 5 côté le rencontrer habitants zone là et puis confirmer engagement famille présidentielle là pour établir bon rapport à Kyo. Responsable autorité nationale régularisation secteur énergie à Anarsé mettait bout vendredi 27 juillet à atelier formation yo t'a organisé sous établissement tarif électricité dans pays. Tribunal criminel traité plusieurs dossiers, ordonné 6 condamnations pour vol, viol et association malfaiteur et puis fait 4 libérations. C'est bilan assisé criminel sans assistant jury au sorti lundi 23 pour arriver jeudi 26 juillet dans palais justice Port-au-Prince. Même état généraux sectoriel nation en chita palé jodi a ak responsable organisation espace biotech haïti sous importance médecine traditionnelle nan secteur santé a. L'autre point nous te développé 27 juillet 2018 la fait 70 l'année existence orchestre septentrional. Pour marquer date ça yo mes action grâce et chanter vendredi 27 juillet dans chapelle Saint-Joseph au Cap-Haïtien en présence des musiciens orchestre là zami famille avec fanatique. Et puis à l'étranger dans moment délai la justice américaine t'est fixé sous question séparation parents yo ak ti moun qui rivé illégalement aux États-Unis rivé dans boutli plusieurs ti moun ak parents yo t'est réuni dans Washington pour mander président Donald Trump kembe promesse li. C'est tout ça n'a dépoté pour vous. Merci pour attention. Merci à tout le monde qui t'a participé dans la réalisation Téléjournal ça. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie Télévision Nationale d'Haïti chaîne 8.